Allô? Oui, bonjour Olivier. Bonsoir Joachim, comment ça va? Ça va très bien, peut-on attendre que le poulet marine avant de poser la friteuse? Absolument pas. Puisque j'ai réfléchi à quelque chose. Ouais. Par rapport à tout à l'heure, on avait prévu de faire l'unboxing de la friteuse pendant la marinade du poulet. Voilà. Sauf qu'il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé. C'est le temps que met la friteuse pour faire chauffer l'huile. Ouais, mais ça sera le temps pour faire la panure. D'accord, t'es sûr? Parce que moi j'ai 1h3 minutes de live, hein, après ça s'arrête. Hein. Ouais. Très bien, donc on laisse l'unboxing à plus tard? Ouais. Très bien. Ça part. Oh, on part en cuisine. On part en cuisine. Non, non, il faut tout expliquer de manière très, très claire et limpide. Non, mais ça, d'accord, mais est-ce qu'on explique le pourquoi? Par exemple, pourquoi on ne va pas utiliser d'œuf pour cette panure? Alors déjà, on va présenter les ingrédients, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y. Attends. Attends, je vais mettre de la musique américaine, mais c'est pas facile de mettre de la musique américaine. Alors, je voulais savoir déjà avant tout, quel est l'intitulé de ce que nous préparons ce soir, Joachim? Ça s'appelle le fried chicken. D'accord. Et est-ce qu'on est plutôt sur une recette straight from Alabama, Kentucky ou 100% Louisiane? 100% Louisiane, avec ma grande tante. Très bien. Alors, le poulet frit. Attends, je vais. Est-ce que t'as le retour du live? Ouais, c'est pas du chat, c'est qu'on fait allumer pour enlever le chat. Le chat, il va partir, t'inquiète pas. Donc, il nous faut, si je ne m'abuse, des aiguillettes de poulet, 500 grammes. Alors, il nous faut des moultes épices, de l'ail en poudre. Moultes épices. Exactement. Du piment en poudre, piment doux. Doux, absolument. De la coriandre hachée. En poudre. Des oignons en semoule. Attends, Olivier, on a un problème. Quoi? Remonte pas la coriandre. Attends, je t'ai appelé tout à l'heure, tu m'as validé la coriandre en direct. Hein. On a un problème, Olivier. Tu me dis pas que tu voulais les boules de coriandre? Non, il fallait de la coriandre sèche. Y a pas plus sec que ça, mec. C'est ultra sec. Quoi? Mais c'est ultra sec! Déjà que j'aime pas la coriandre. Est-ce que ça sent prêt? Ouais, ça sent la soupe. Olivier! Attends, est-ce que je t'ai pas appelé en direct du magasin et tu m'as dit que c'était ça? Le live! Quoi? Je quitte le live! Attends, j'ai acheté de l'ail pour toi, d'accord? J'ai acheté de la coriandre alors que je peux pas manger ces ingrédients. Tu veux déjà quitter le live? Je quitte le live. Mon Joachim, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi s'il te plaît. Eh ben on oublie la coriandre, voilà, on oublie la coriandre. Allez, la coriandre ça dégage. Alors ensuite, il nous faut du paprika. Du thym. Du sel. Et du poivre. Notre fameux poivre 5B qu'on a depuis toujours. Ensuite, et c'est alors, l'élément clé. Oui. Tabasco. On a du tabasco. J'ai fait tous les magasins de la ville pour en trouver. Le tabasco est là. On va faire unboxing en direct. Alors, Olivier, j'ai une question pour toi. Le tabasco est là, oui. Toi qui es l'homme qui prend que le haut de gamme dans ta vie. Oui. Le seul élément de cette recette qui aurait nécessité du haut de gamme, tu as pris la pire chose possible. Tu parles du bidon jaune? Oui. Alors, j'ai cherché. Écoute, le problème, c'est que. Moi, j'ai jamais fait de ma vie, comme vous le voyez, on va faire l'unboxing de la friteuse. J'ai jamais eu de friteuse, j'ai jamais rien fait de frit dans ma vie, donc j'y connais rien. Je suis allé prendre de la friale, mec, c'est les meilleurs. Déjà, ça va tu m'as pas dit. Moi, je suis allé au rayon. Arrête, mais arrête de pas dire aussi. Je suis allé au magasin, au rayon huile, d'accord. Et il y avait plein d'huiles. Je regarde des huiles qui ont l'air haute qualité et je vois, il y a pas marqué friture. Donc moi, j'en ai pris une qui s'appelle friture, d'accord. Donc au moins, j'ai pris aucun risque. Tu sais quoi? Ouais, quoi? Comme ça, les gens qui n'ont pas d'argent, ils pourront prendre la même huile
Exactement. Exactement. Alors ensuite, je continue les ingrédients. Il nous faut de l'huile d'olive, il faut ou pas? Oui, je vais t'expliquer pourquoi. L'huile d'olive, de la farine de blé, oui, et de la crème fraîche épaisse. Donc là, j'en ai pris deux pots. Voilà. Donc voilà. Est-ce que maintenant on peut commencer? Dis-moi quel ustensile il nous faut. Alors là, tu me trouves, Olivier, un récipient. Attends, plutôt saladier ou plutôt grosse assiette à soupe? Plutôt saladier et grosse assiette à soupe. L'un et l'autre. Ah, il en faut deux, d'accord. Très bien, donc le saladier est ici. Ah, excellent. Et grosse assiette à soupe, bon bah écoute, c'est une moyenne assiette à soupe. C'est pas bon. Et il faut quoi alors? Un autre saladier? J'en sais rien. Un bol, ça va pas? T'inquiète pas. Excellent, excellent. Alors est-ce que le live marche toujours? Est-ce qu'il y en a des commentaires? Parce que moi j'ai aucun retour là. Alors il y a des commentaires de dingue, tout le monde te demande Lacrimatica pourquoi. Lacrimatica pourquoi? Moi j'aimerais juste passer un bonjour à Mango The Disaster Artist qui a acheté tous les ingrédients et qui est en train de faire en direct la recette. Donc. Eh ben à mon avis il va se régaler. J'espère qu'il va se régaler tout comme moi je vais me régaler. Alors, je rappelle juste aux gens, j'ai découvert dans les réglages de la GoPro que impossible pour moi de faire des lives de plus de 1 minute, de 1 heure et 3 minutes. Du coup, nous sommes chronométrés, messieurs. C'est parti, Olivier, c'est parti. Mets tout le poulet dans le bol chaud. Alors, attends, je fais un petit setup. Alors, tout le poulet. Tout le poulet dans le bol gris. Attends, mais quand j'ouvre. C'est quoi ça encore là? On perd grave du temps là. Je trouve plus de couteau. C'est un échec. La Climatica. Pourquoi? C'est bon. Donc ce sont des aiguilles. Exactement. Ensuite. Allez, une grosse cuillère à café. Voilà. Là, tu me mets 5 tonnes de tabasco. Non, mais on n'aime pas le tabasco ici. Excuse-moi. Oui. On est en Louisiane, on est où là? On est au bas fond de la Louisiane, on est à Baron Rouge. Voilà, merci. Alors 5 tonnes, pas 5 tonnes non plus, sinon tu vas te tirer ça. Alors, tu vois, par rapport à la bouteille, je mets combien de pourcentage de la bouteille? Un quart? 3 cuillères à café, ok. Et je préfère prendre des cuillères à café. En fait, non mais tu m'avais dit tout à l'heure que le piquant du tabasco allait être annihilé par la coriandre, sauf que la coriandre on l'a jeté à la poubelle. Non, j'ai parlé du paprika qui allait être amoindri par la coriandre. Mais attends, mais ça sort pas le tabasco là, ça reste bloqué dans la bouteille. Voilà, mets en 5 petites cuillères à café. Hein? T'es sûr 5? Deux. C'est vexé avec parce que la moindre goutte ça t'arrache la tête. Hein. 3, on est bon. Allez hop. Ensuite. Là tu me mets une bonne dose de poivre. Le piquant ne va être que là. S'il n'y a que le poivre qui va piquer là-dedans, puisque le tabasco va être annihilé par la crème, le poivre lui et son piquant vont résister à la crème épaisse. Donc une bonne dose. Une bonne dose. Ça pique un peu en Louisiane. On n'a pas perdu poivre en Louisiane, il me semble. Voilà, il y en a vraiment pas mal, je crois. Et voilà, de plus près. Là, mais je sens vraiment, il y a du poivre partout dans ma pièce, là. Ça manque de poivre, Olivier. Ça manque de poivre. Bon, attends, mais t'as 5 salades de poulet, tout ça va être à moins de dispersé.
Oui. Mais arrête de dire petite dose si c'est pas petite dose. D'accord, petite dose quoi. Ah bon? Ah bon? Oui. Bah je mets un peu de sel, je recouvre de sel. Toute petite dose de sel. Voilà, c'est bon. Voilà. Là tu mets des paprika piment doux. Quelle proportion? La même chose que le thym. Alors les deux réunis, il faut que ça reste la même chose que ça. Stop, stop, stop. Voilà. Il sort pas le piment. Il sort difficilement le piment. On dirait que j'en mets beaucoup, mais c'est juste que ça sort pas du tout en fait. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors ensuite. Donc là, tu me remues tout ça de sorte à ce que toute la blessure pénètre. Remets-moi un petit filet d'huile d'olive là-bas. À la main ou avec des ustensiles? À la main, comme en Louisiane? L'huile d'Amérique. Voilà, on sait pas trop ce que c'est. Allez, je te mélange ça à la main. Faut pas avoir peur, hein. Vous inquiétez pas, les mains. Par contre, on fait à la main. Les mains ont été lavées, messieurs. Ah, Louisiane. Voilà, fais pénétrer la marinade dans le poulet. Et alors, dès que c'est fait, tu me mets tout le pot de crème épaisse, le plus vite possible. Un seul pot? Ouais. Tu pouvais pas me dire de le préparer, de l'ouvrir et tout, quand maintenant j'ai les mains pleines de marinade, là? Si. Ah, t'aurais pu, d'accord. Attends, je vais ouvrir à l'autre main. Le piquant, à part celui du poivre, vont être amoindris par la crème, les gars. Et ça, c'est beau. Donc, je mets toute la crème. Toute la crème, ouais. Et je continue à mélanger? Voilà, mais vas-y à la main si tu veux. Moi, je fais pas ça personnellement. Mais... Comment ça, tu fais pas ça personnellement? Le deuxième. Ah, là, tu me fais plaisir. Comment ça, tu fais pas ça personnellement? Tu fais ça comment? Tu le fais faire, c'est ça? Bah tu m'as dit de le faire à la main, moi j'ai pas... Mais non, je te dis au mieux, c'est pas qu'à ce que tu fais à la main comme Louisiane. Oh là 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 là. Allez, vas-y. Donc je nettoie la crème à la main, là. Je bouge tout à la main, là. Voilà, alors les gars, la crème ne va pas être vraiment consommée, hein, vous allez voir. Ah, c'est dégueulasse. Ah bah ça te rappelle ton année d'interne en médecine, là. Ah, m'en parle pas. J'ai l'impression d'être de retour en Bretagne. Donc là, on a des belles couleurs qui arrivent là. Excellent. Voilà, alors en gros, je vous passe les détails. La crème va enfermer les arômes dans le poulet. On se demande comment tu sais ça. Bah, j'ai étudié. Et donc, bon. Voilà, pourtant, on va pas utiliser d'œufs pour faire la panure. La crème va servir de fixer. Mais moi, j'avais toujours cru que dans la panure, il y avait surtout genre des céréales, tu vois. Pour non, faire le croustillant. Ah, mais nous on est team Louisiane, ça, on est plutôt team français. On mange du vrai poulet en Louisiane parce que la Louisiane c'est un état qui est français à la base. Eh oui. Et français, on sait manger. Bon, alors c'est bon, j'ai assez mélangé, on dirait une bouillie. Là c'est bon, tu mets ça au frigo. Attends, j'ai plus de place dans mon frigo, j'ai pas un centimètre dans mon frigo. Mais c'est pas grave, de toute façon, il y en a pour 5 minutes, donc laisse à l'air libre. Mais fais attention que son bras mange pas, il va faire l'unboxing de la friteuse. Allez, ça part en unboxing. Par contre, t'es sûr, enfin, je sais pas si t'es au courant, tu m'as fait acheter des oignons en poudre et t'as pas utilisé, hein. T'es un professionnel? Je suis un professionnel. Est-ce que je dois encore m'excuser? Non, tu dois pas t'excuser, Olivier, parce que tu es l'as des as. Ça fait plaisir. Donc voilà, est-ce qu'il y en a dans le chat qui savent utiliser une friteuse? Parce que moi, je sais pas, j'ai jamais eu de friteuse de ma vie. Joachim, toi, t'as pas une friteuse électrique comme ça? Non, moi, j'ai une à la main. Donc je voulais savoir comment ça se passe, combien de temps ça met pour cuire, est-ce qu'il faut remplir au max? Ouais. Olivier, le temps joue contre nous. Unbox la friteuse en 2 temps 3 mouvements, on va la brancher, remplir la tuile et fais-nous ça bien. Vas-y, j'unbox ça, on a pas le temps là. Alors les gars, par contre, je vous le dis en direct, il se peut que tout explose parce que j'ai jamais manié un appareil comme ça, Olivier non plus. Hein. Exactement, et en plus de ça, j'ai une caméra sur la tête et j'ai une seule main de libre. Voilà.
Bon, je te pose une seconde histoire de, d'analyser la friteuse. Mais comment tu me dis ça? Tu m'avais dit que ça durait 40 minutes la recette. Ouais, 20 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson. Ok. On n'a pas le temps de lire les messages de précaution là. Essaye de voir dans les chats s'il n'y a pas des commentaires de gens qui disent que les fritas c'est dangereux et tout. Regarde, attendez, je sais pas si vous voyez. Là il y a 150 degrés, là il y a un poisson 160, 170 c'est des œufs, 180 il y a le poulet et 190 les frites. Donc allez, c'est plutôt ça, on va mettre de l'huile là-dedans. Oh, c'est quoi ce truc? Olivier, où est la grille? La grille elle est là, regarde. La grille on la met comme ça, on appuie et ça descend, regarde. Donc, je vais donner vite fait un petit coup d'éponge, parce que c'est neuf. Et après, je mets l'huile. Ce que je comprends pas, regarde, s'il y en a qui ont des friteuses là. Désolé. Ce que je comprends pas, c'est que regardez, il y a marqué mini, il y a deux barres, il y a mini et il y a maxi, mais il y a que, comment dire, il y a que 1 ou 2 mm d'écart entre mini et maxi. Je sais que le temps joue contre toi. Olivier, il faut pas qu'il reste sur un bouton sinon ça va prendre feu, hein. Merde, j'avais oublié que l'huile est longue. Putain. J'avais oublié que l'huile est longue, ça faisait du feu. Ah ouais, ça fait du feu. Bon, je vais tout y essuyer, t'inquiète. Qu'est-ce que je suis con alors? Je m'excuse, on n'est pas sur la chaîne Olivier B. C'est vrai. Ça dit quoi dans les coms? Laisse chauffer, c'est pour l'huile. Dis que c'est chaud, tu mets la viande et tu fermes. D'accord. Ah, mais je laisse chauffer ouvert alors? Je pense. Bon, bah, il n'y a plus une seule goutte. Ça marche, mec, là, on est en terrain non connu, là. Le problème, c'est qu'à la fois on est en terrain inconnu, mais à la fois on est ultra pressé. Bon, allez, il n'y a plus une seule goutte d'eau, c'est bon. Allez, mets-lui dedans. Attends. Je vais la brancher. J'ai une friteuse à la main, c'est qu'en gros, je chauffe l'huile au gaz, elle n'est pas électrique. Ah. Ok, c'est bon. Donc, je vais mettre de l'huile jusqu'au niveau maximum, hein. J'arrive pas à ouvrir l'huile! Ça tombe dans le vent! Mais c'est fait exprès, Olivier, cette huile! Et alors? Mais t'as jamais ouvert une bouteille d'huile? Non! Oh, c'est bon, c'est bon! Je valide l'ouverture d'huile. Allez, je verse. C'est pas trop les 3 litres, hein? La Climatica. Pourquoi? Je rêve où les 3 litres vont être utilisés là. Ouais. Attends, je rêve où les 3 litres vont pas suffire. Ah ouais. Non, c'est bon, ça va aller, ça va aller. On est sur mini, je vais mettre sur maxi. On voit bien la caméra ou pas? Ok, c'est bon. Donc, je fais chauffer en laissant ouvert ou je ferme comme, messieurs? J'en sais rien, Olivier. Moi, personnellement, je fais toujours chauffer l'huile à l'air libre parce que c'est rien dedans et c'est pas de queue. Bon, bah voilà, c'est bon. Allez, ça chauffe. C'est bon, Olivier, vite! Qu'est-ce que je dois faire? Prends la valise! Oui! Ok. Je mets combien? Une bonne dose. J'ai 1 kg là. Assez pour faire tout le poulet, donc 400 grammes. Ah, quand même.
J'arrive pas à ouvrir la farine. Bah rarement, j'ai dû le faire une fois dans ma vie. Bah je mange des pâtes. Et maintenant je mange je mange des lasagnes maintenant. On est bon. Mais c'est quoi cette farine? Elle est pas blanche, bon c'est bon. C'est de la farine complète. Je pense oui. Une bonne dose. Le temps joue contre nous, le live va commencer depuis combien de temps là? Je sais pas, vous voulez combien de temps sur le live? À 24 minutes, 24 minutes. Ça va, on est encore à moitié. Un tout petit peu de sel. Un tout petit peu de sel. Ensuite. Grosse dose de paprika et piment doux. Grosse dose, allez. Bah la 40 elle est à la poubelle. Alors, l'ail ou pas l'ail? Ouais je l'ai finalement. Mais j'en mets pas beaucoup par contre hein. Ah ça sent l'ail. Voilà, c'est bon. Oh putain, j'en ai trop mis. Alors, du poivre et du thym. On n'a pas le temps, Joachim. C'est bon. Ensuite, là tu prends une cuillère à café, tu remues le plus vite possible, il faut que tout soit homogène, tout. Non, mais pourquoi tu prends le café avec la crème pour remuer la farine sèche? Mais j'allais l'essuyer la crème, ça va. Ça a l'air plutôt homogène, hein. Ça a l'air homogène, hein. La quoi? La clim et la friteuse. Pourquoi faire? Bon, ça marche. Je vais me faire directement dans la friteuse. Non mais y a pas d'huile dans la grille, tu vois, c'est au-dessus. Ah d'accord, ok, bien. Alors vas-y, mets le. Voilà. Rapproche-toi Olivier, rapproche ton récipient de farine. Rapproche-le. Faut que tu sois collé. Ensuite. Oui. Tu prends un morceau de poulet, tu l'égouttes le plus possible de ta crème dans le récipient de crème. Vas-y, arrive-toi. Attends, t'as dit quoi? Je l'égoutte? Tu l'égouttes dans le récipient de crème le plus possible, tu essaies d'enlever le plus de crème possible du poulet. Mais je le plonge dans la farine, on est d'accord? Pas maintenant, d'abord tu l'égouttes dans le récipient de crème, ensuite tu le plonges dans la farine. Faut pas qu'il y ait trop de crème dessus. Mais c'est le vite, Olivier, vite. Bon bah je fais quoi alors? Là maintenant tu prends de la farine et tu essaies de recouvrir la farine fermement. Fermement t'as dit? Fermement. Ça veut dire quoi fermement? Faut pas qu'il puisse respirer, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Je le mets dans la passoire, c'est bon? Dans la grille.
de votre preuve, hein. On est sur le coup, t'inquiète. Quoi? Mais non, on a 28 minutes. C'est plus que ce qu'il n'en faut. Ah, ça fait plaisir. Ça a l'air bien parti ou pas? Mais je comprends pas, y a pas d'œuf dans ta recette? Ah, y a pas de poule en Louisiane? Ils ont pas le temps. J'en ai mis 7 en même temps. Je crois que ma friteuse n'avait pas assez grande pour prendre tous les morceaux de poulet. Je vois. Je sais pas si on t'entend sur le chat par contre, parce que t'es assez loin de moi. Hein. Bien joué. Salut DG. Prends-en de la graine. Il y a rien de quoi? À part? Alors dans la recette, vous avez bien entendu Joachim, messieurs, dans la recette, il n'y a absolument rien de malsain, c'est une recette 100% saine, 100% validée par un nutritionniste, à part évidemment le fait que ça soit frit. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Vaut mieux faire ça plutôt que manger un truc frit qui est déjà gras. Parce que la crème s'annule, les messieurs, la crème s'annule. On a que des bonnes épices. Qu'est-ce... Ah non, c'est combien? C'est une fois tous les deux semaines maximum? Allez, une fois toutes les semaines pour les sportifs. Mais est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire ça plus les lasagnes, par exemple, deux plats par semaine? Ou alors c'est vraiment soit l'un, soit l'autre par semaine? Ah non, les lasagnes, c'est trop bon, mais il n'y a rien de malsain. Ah d'accord. On est pas mal. Ah ouais, elle est chaude, là, je peux envoyer. Une seconde, je m'enlève des impuretés. Tu m'as dit 20 minutes tout à l'heure. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh sa mère. Ok, donc je ferme et c'est parti pour 15 minutes les mecs. Alors qu'est-ce que ça dit dans le chat? Un speedrun s'est bien passé, bonsoir tout le monde, Fomet, War de Rocky 4, l'homme contre le poulet, like et like. Mais non mais MG, c'est pas que j'ai peur, c'est... J'ai jamais utilisé cet objet de ma vie. Et tout à l'heure on m'appelle, on me dit si tu mets une goutte d'eau ça explose. J'ai appelé quelqu'un, il m'a dit... Mon frère, j'ai deux frères, mes deux frères ils ont fait brûler ma maison à cause d'une friteuse. En fait, moi je m'attendais pas à ce que ça soit si dangereux une friteuse. Et comment je sais pour savoir si c'est trop chaud ou pas, big up? Parce qu'on voit rien à travers la vitre là. Alors Mango, t'es parmi nous ou pas? Ça se passe comment la recette?
Ça, c'est la bonne sauce au barbecue de Mark Heinz pour déguster les poulets frits, messieurs. Ah, écoutez, je suis désolé, normalement, l'Olivier normal aurait profité de ce temps imparti, les 15 minutes, là, pour faire du divertissement. Attends, musique de musculation, 30 minutes motivation, Rocky. Mais l'Olivier d'aujourd'hui est devenu quelqu'un de positif, avec une routine et surtout avec de la droiture. Donc nous allons faire la vaisselle, messieurs. Eh oui, la vaisselle, parce que je vous raconte pas. Hein. La dernière fois, lors du live lasagne, ma cuisine, elle a été inutilisable pendant 3 semaines. Hein. Ça part en vaisselle. Je vais vous mettre ici, au cas où vous me dites un truc important sur le poulet frit. Tu as changé, Olivier, sympa. Range tout, voilà, je vais ranger. Mango, il a cligné des yeux quand il fallait pas. Mais attendez, regardez, il y a des vieux bouts de crème là, putain. Alors, en tout cas, ça fait. Il y a plein de fumée qui sort, de la fumée de poulet là. Mais je peux pas mettre ça. Je peux mettre de l'eau là-dedans. Alors, justement, au début, on n'était pas sûr. On croyait que faire la vaisselle c'était pas viril. Mais en fait, ça fait partie d'une discipline quasi militaire qui fait qu'au final c'est très viril de faire la vaisselle. C'est pourquoi Joachim et moi on a décidé de soutenir la vaisselle après avoir fait la cuisine. Alors, bien sûr, si vous avez des gens avec vous, par exemple, imaginons vous êtes marié. Si vous faites la recette, bah, vous pouvez demander tout ça à votre femme de faire la vaisselle, ça, il n'y a pas de souci. Mais si on est seul, messieurs, nous avons décidé avec Joachim qu'il fallait la discipline de la vaisselle. Donc regardez ça, ça on l'aurait jamais vu il y a un mois sur la chaîne de Padawama. Moi qui range après avoir utilisé, non mais incroyable. Par contre comment je peux faire, je fais quoi de la farine les gars? Surveille le poulet, ça peut partir en délire la friteur. Mais ça veut dire quoi surveille le poulet? Ça veut dire quoi surveille le poulet? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi surveiller le poulet? Ça veut dire, dites-moi, il y a des flammes, de la fumée. Ça veut dire quoi surveiller le poulet? La cause d'une friteuse n'est pas. Putain, mais c'est quoi cet objet de dingue là? Je savais pas que c'était si dangereux. Moi, je pensais que c'était un truc comme, vous savez, le truc pour faire cuire l'eau, pour faire du thé là. Mais en fait, une friteuse, c'est un objet de dingue. Hein. Bon, comment je lave la farine là? Je peux mettre ça dans l'eau ou pas? Ça va faire des grumeaux, non? La cuisson lève la grille. Ah d'accord, bien joué. Ouais mais attends, on m'a dit 15 minutes, ça fait pas 15 minutes. Enfin je sais pas, j'ai pas de chrono, mais ça fait pas 15 minutes. Regardez. Ça sent bon, ça a l'air excellent messieurs. On va descendre encore un petit peu. Dites-moi quand ça fait 15 minutes hein, s'il vous plaît. Moi j'ai pas de timer. Je pense qu'on est pas mal bientôt. Jette à la poubelle, ok. Ça sent trop bon, bien joué. Ah, on a Joachim qui appelle. Allô? Olivier, on a un problème. Quoi? Là, on est en terrain inconnu parce qu'en fait, ta friteuse, elle fait grave. C'est un vieux chaud. Et du coup, le poulet est en train de dorer très vite, mais je sais pas si le cuit à l'intérieur. Donc, peux-tu baisser la température? Allez, je passe de 180 à 150, ça va? Voilà, 150. Mais tu vois, il a l'air pas mal, le poulet, hein? Il a l'air pas mal, mais il a cuit beaucoup trop vite. Ah bah ouais, mais moi j'ai mis sur le mode poulet. Hein. Donc t'enlèveras quand ce sera bien doré, et surtout tu surveilles pour pas que ce soit brûlé. Ok, ça marche. Bon, dès qu'il est très doré, je le sors, même si ça fait pas 15 minutes. Hein. Alors, justement, prépare en amont, tu prends une assiette et tu mets deux feuilles de soupe à l'intérieur. Tu vois, regarde, là il est pas mal. Hein. On peut encore le laisser un peu, je pense. Deux feuilles de soupe à l'intérieur, Olivier. Oui, j'ai entendu. Bon bah, à tout alors. Attends Olivier, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, quoi? Il y a DJ qui a dit que t'es viré de la chaîne. Ah bah ça fait plaisir. Ah parce que j'ai fait la vaisselle. Ah bravo. Et est-ce que tu confirmes ou pas? Mais attends Joachim, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait de la discipline et que c'était bien de faire la vaisselle. Après là. Ah bah c'est vrai que DJ fait partie du Yveline 9 to Gang. C'est ça le problème. Donc qu'est-ce qu'on fait Olivier? On fait quoi? Cette manifestation? Non, bah ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire la vaisselle. Parce que j'ai pas encore fait la vaisselle. J'ai dit que j'allais le faire, j'ai pas fait. Voilà, mais moi pour ma part, je trouve ça très bien en tout
tout cas, GG à Olivier. Ça fait plaisir. Par contre, Joachim dit GG. Bah, GG, good game en anglais. Bien joué, Lacrima Rossa, là. Pourquoi? Lacrima Tika, pourquoi, mec? Allez, salut. Allez, salut, mec, salut. Alors, je suis banni en direct de la chaîne Panorama HD, messieurs. Mango. Mango, tu l'as faite ou pas, la recette? Ça se passe ou ça se passe pas? C'est vrai que ma friteuse, elle est quand même plutôt efficace. Hein. Regardez, ça a l'air... Ça chauffe, là. Hein. Il y a un petit bout, là, qui est peut-être même... Ça commence un peu à cramer. En termes d'odeur, on est... ça sent le gras. Voilà ce que ça sent. Ça sent le gras. Allez, on continue un petit peu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Poutaloups. Olivier, ça se passe nickel. Bah, ça fait plaisir. J'espère que tu prends des photos. Nous, on veut voir. Enfin, on veut voir au moins le résultat. Vous avez vu, j'ai mon côté féminin qui reprend le dessus, là. Hein, impossible de me passer de faire la vaisselle. I love la vaisselle. Attendez, faut que je remette la musique de Rocky, là. Non, c'est pas le chef du mas, c'est le chef du crasse ce soir. Le père du crasse. Et Padawam, il pourra l'ouvrir quand il nous fera une recette. Hein, parce que Padawam, on a l'impression qu'il sait rien faire. Hein. Je sais même pas s'il gère les pâtes. Hein. Déjà qu'il nous parlait de mettre du vin dans la bolognaise, ça va. Hein. C'est cool d'être autonome. Olivier, l'homme du futur. Cette musique mérite quelques pompes, c'est vrai. Bah, demandez à Mango pour les pompes. Non mais surtout en fait, monsieur, surtout que j'ai vraiment rangé toute la cuisine et tout mon appart aujourd'hui avant de commencer le live. Donc vraiment, ce serait vraiment dommage de que ça soit tout gâché, même pas une heure après que j'ai fini, quoi. Attendez, j'entends que ça crépite pas mal dans la friteuse, là. On va aller gérer ça. Eh ouais, MG. Bien joué, Mango. Donc écoutez, on va voir comment ça se passe. Ah mais là on est pas mal, regarde. Là je pense qu'on peut sortir. Hein. Je pense qu'on peut valider la sortie. On va appeler Cavassier. Et effectivement, il est okay, je m'ai déçu. Allô, je pense qu'on est pas mal au poulet, tu confirmes? Donc comment ça se passe avec tout ce qui est sopalin? Alors c'est très simple, tu mettras tout le poulet sur les sopalins délicatement. Mais je fais comment, avec une fourchette? Surtout pas, avec une pince. Mais avec une pince? Tu te fous de qui là? Comment tu veux que je trouve une pince? Ça sert à rien, mec, sinon on va pas faire à la main, ça sert à rien de la panure. Purée, avec ça, ça va? Attends, je... Avec ça, ça va ou pas? Regarde. Il y a des bruits bizarres dehors là. On dirait des... Bon, on fait quoi? On annule le live ou pas là? Non, non, tu vas prendre délicatement, délicatement. Avec quoi? Avec rien, tu verses pas le contenu. Ah, je verse, mais c'est trop risqué, mec. Mais attendez, il y a des coups de... Il y a des coups de feu dans le dehors là, qu'est-ce qui se passe? C'est les gangs, mec, c'est les gangs. Bon, je ferai pas un petit jab ou pas là? Va faire un jab, Olivier. Allez, un jab avant que le poulet soit frit, je te laisse. Allez, y'a un petit jab, un seul. Et voilà, messieurs, c'était le jab. On est reparti au poulet. Excellent, ça fait plaisir. On dirait Mike Tyson.
Allez, on annule la friteuse. Alors attends, avant de dégoûter, j'ai une question pour le chat très importante. Très importante, pardon. Moi j'ai jamais eu de friteuse. Je voulais savoir, messieurs. Je vais laver ma friteuse après, d'accord? Comment, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans l'eau, j'attends que ça refasse, ça soit très froid et je peux mettre dans le robinet, je mets aux toilettes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec l'huile? Dites-moi s'il vous plaît. Normalement l'huile elle reste dans la friteuse. Ouais mais là je pars en vacances une semaine, c'est rien que je la garde. Ça périme pas, vous confirmez que je peux la laisser? Non, non, je préfère tout enlever. Qu'est-ce que je fais de l'huile? Ah bah vous m'évitez de la vider la rivière. Donc bah voilà, c'est pour ça, dites-moi, parce que c'est pareil les toilettes, c'est de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec l'huile? Dites-moi. Attendez, mais c'est quoi ces bruits de dingue là? Bon. Allez, j'essaye de renverser le poulet à la renverse comme tu m'as conseillé. Hein. Ah, je vois qu'il m'a raccroché. Allez messieurs, c'est le moment où c'est compliqué. C'est le moment où il faut prendre des risques. Ok, on est pas mal. Les risques ont été pris, il reste un bout de poulet. Les risques ont été pris. Est-ce que c'est gras? Attendez, on a un Snapchat en direct de Mango, Mango the Disaster Artist, qui va sûrement nous montrer sa recette. Oh, regardez, XR, il a déjà fini. Il a déjà fini, il va se régaler. Bon, alors, Joaquin nous dit bonne dose de sel maintenant. Mais moi, j'aime pas trop le sel, donc je vais en mettre une petite dose de sel. Vite, vite, vous n'oubliez pas que le live se coupe après 1h03 de live, là. Un petit peu de sel, pas beaucoup. Hein. Voilà. Maintenant, on va prendre une assiette. Et on va servir. C'est pas non plus super chaud, on peut se permettre de servir à la main. Ouh là là, mais comment on va se régaler. Par contre, Mango là, sur ton... Sur la photo que tu m'as envoyée, ça a pas, y a pas l'air d'avoir autant de fritures autour. Voilà messieurs, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est validé. Je crois qu'on est validé par Joachim. Ça va partir en dégustation messieurs. On n'a même pas le temps de réfléchir. Regardez. Niveau odeur, vous savez, ça sent un peu le gras, mais je sais pas comment dire. Vous savez, quand vous allez à KFC, il y a une odeur très excellente, mais ça se voit que c'est malsain, vous comprenez? Et là, c'est pas de la mauvaise foi. Et là, vraiment, il y a une odeur, mais il n'y a pas le côté malsain, il y a juste le côté un peu pris. Écoutez messieurs, ça va être la fin de la vidéo. Cependant, j'ai une petite surprise pour vous. Les puristes des recettes de cuisine d'Olivier B savent qu'il n'y a jamais de dégustation. Mais là, je pense pas à dispositif exceptionnel. Dispositif exceptionnel. Nous allons déguster ensemble un poulet frit. Donc évidemment, pas de couvert. Nous sommes en Louisiane. Regardez à quoi je ressemble. Allez, c'est parti, messieurs. Donc, on va prendre un poulet frit. Ah non. Un peu de sauce barbecue. Donc, Joachim m'a conseillé de mettre de la moutarde à l'ancienne. C'était excellent, mais j'ai pas osé. Moi, je suis plutôt parti sur du classique américain sauce barbecue. Donc, allez, messieurs. C'est parti. On va goûter. Alors, texture. Excellent, oui. Oui, ça s'effrite à peine. C'est pas non plus super super gras. Ça se casse. Ah si, ça se casse facilement. Le poulet intérieur, il est cuit. Aucun problème avec ça.
En termes d'odeur, c'est excellent. Écoutez, on va goûter, messieurs. Et après, on va se quitter là. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous pour votre présence. J'espère que cette recette en a aidé plus d'un. Je sais qu'il y en a un que ça a aidé, c'est Mangos et Serasteur Artiste. Donc, soutien. Messieurs, insultez tous DG. DG, on attend le live de la vidéo top 50. Je vais t'envoyer les dernières vidéos, là. J'ai reçu les vidéos de Goofist. Et moi, je vais me régaler, messieurs. Allez, c'est parti. Alors, écoutez, moi, je suis un puriste de KFC, d'accord ? Je vais à KFC, j'achète des buckets par milliers. C'est pas du tout comme KFC. KFC, quand vous mangez un tenders de KFC, vous avez une sorte de peau autour qui est excellente. Vous savez, la peau que Cartman y mange. Et au milieu, vous avez un filet de poulet. Et en fait, on sent bien les deux goûts. C'est comme si c'était une sorte de sandwich et qu'on sentait d'abord le pain et après la garniture. Alors là, dans la recette de Joachim, en fait, c'est une sorte de tout. Quand vous mangez, il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est mou. Attends. Non, c'est excellent, messieurs. C'est ultra validé. Je regrette de ne pas avoir acheté plus de poulet. Comme je vous dis, en fait, il y a tout qui est lié. Et au début, on mange, ça croque. Ça croque avec la peau. Et après, ça devient hyper tendre au milieu. Mais c'est pas deux choses différentes. On sent que c'est un seul et même plat. Attends, j'en mange un peu parce que c'est excellent. Et puis la sauce barbecue. Oula, ça le fait. Hein. J'essaie de goûter. On sent la farine. Chez KFC, on sent pas la farine. Là, on sent la farine à la fin. Ça dérange pas, mais on la sent quand même. Après, moi... Ah non, c'est parce que j'ai pris de la farine complète et pas de la farine normale. C'est pas la farine blanche. Et c'est ça que je sens, c'est le goût de la farine complète. Et vous voyez le mouvement de tête que je fais comme ça à chaque bouchée. C'est que c'est réussi. Hein. Bon bah écoutez messieurs, ça va être la fin de la vidéo. Moi je vais continuer à déguster ça dans mon coin. Je vais me régaler. Vous voyez, la recette, c'est pas compliqué. Il faut pas mal d'épices. Mais au final, ça se fait assez rapidement. Donc, je vous remercie à tous. On va dire bonjour au chat. Et puis voilà, moi, je vais continuer à déguster mon coin. Bonne soirée à tous. J'espère que live fera, que DG ou Joachim feront un live ce soir. Et puis, bah écoutez. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Au revoir, hein. Allez, j'arrête le live. Attendez.